Liwen, où tu vas avec la chaise? Eh ouais. Non, mais... Rassurez-moi, rassurez-moi et dites-moi que chez vous, c'est pareil que chez moi, qu'il y a du bruit pareil toute la journée. Et qu'il y a tout qui est en l'air. Il a cassé le tiroir. Tu l'as vu ou pas? Quoi? Il a cassé le tiroir dans la salle de jeu. Il a tiré explosif. Ouais, le top là. Hein. Vraiment, c'est super. Ouais, bye bye. Avec tous les jouets que vous avez, bye bye, ouais. Je vous jure, hein, ils jouent avec des chaises alors que regardez la salle de jeu quand même. Hein. Regardez-moi cette taille de salle de jeu. Mais ils jouent avec des chaises. C'est l'école de qui? C'est bientôt l'école des villes? Oui? Wow, c'est la grande école, hein? Ah oui, elle est grande celle-là. Hein. Tu te languis de venir à la grande école? Ah, Milo? T'as vu les grands enfants, ils courent partout. Ouais. C'est bientôt l'école de Lily. C'est la grande école l'année prochaine. Et ouais, ça va vite. Milo, c'est ta soeur, on va venir avec toi l'année prochaine. T'es content? Et toi, t'es content d'aller avec Milo? Elle regarde partout, elle ne sait plus, il y a des enfants qui courent de partout. Et voilà, nous sommes à l'école de Milo. Encore? Last try. Oh. Bon, on est au marché de Noël, c'est très très bruyant. Mylon, à un moment donné, il s'est perdu, je le voyais de loin. Je faisais que l'appeler, il ne me voyait pas, donc il se m'a pleuré. Je suis vite couru vers lui, je dis Mylon, je te vois, t'es pas perdu. Liwen, elle s'en fout. Elle n'en a rien à faire, elle s'en bat de tous les côtés. Elle fait sa vie, elle. Mylon, il vient de customiser son petit pain d'épices. Bon, on rentre à la maison car Mylon n'a pas été gentil pour le marché de Noël. Et du coup, ben voilà, quand t'es pas gentil, ben, tu es puni. C'est la vie, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Donc ben, c'était cool, on s'amusait bien pour le coup. Il a mangé des glaces, le pain d'épices et tout. Il y avait encore des activités à faire, mais terminé. Voilà, maison. Liwen, tu recommences? Pomme de Renette. Bon, on est rentré à la maison. Je vais vous avouer quelque chose. Mylon me casse le moral. Il répond. Voilà, c'est un petit garçon qui est rentré à la grande école. Du coup, ben, forcément, il fait le grand. Du coup, il répond et ça m'agace. Ça m'agace parce qu'il teste vraiment les limites jusqu'au bout. Genre, et du coup, ben, il teste tout le temps, perpétuellement. J'étais avec la maîtresse la dernière fois, je parlais à la maîtresse, je lui disais, mais c'est pas possible. Elle me disait, ouais, il fait pareil à l'école, il teste. Là, il est allé dans sa chambre. Voilà, on est rentré parce qu'il m'a mal parlé. Sa nouvelle phrase préférée à Mylon, c'est je vais te prouter dessus. Je vais te prouter dessus, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui lui a appris ça, j'en sais rien du tout, jamais, en tout cas, c'est pas nous. Mais voilà, et du coup, hier, on l'avait prévenu que s'il le redisait encore une fois, il irait dans sa chambre. Bon, là, il est dans sa chambre, il est monté tout seul comme un grand. Je dis, on t'emmène ou tu y vas toi? Il a dit, c'est bon, j'y vais moi. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, je vous dis la vérité, ça me casse le moral, quoi. C'est très dur quand un enfant de 4 ans, il te répond. Là, jusqu'à des Marseillais, il aurait balayé, il aurait fait taper la tête contre le sol. Non, je rigole, bien sûr, c'est une blague. C'est une blague, on le punit autrement, hein. Il va dans sa chambre, là on est parti du marché de Noël, tant pis pour lui, enfin voilà, c'est des petites punitions au final. Hier il a été puni de télévision, mais il est puni beaucoup, quoi. Voilà, il est puni beaucoup. Rassurez-moi que ça va passer un jour. À quel âge? C'est jusqu'à quel âge? Aidez-moi, jusqu'à quel âge? Rassurez-moi, j'ai besoin d'être rassurée, clairement. Et il n'y a pas qui a intérêt de venir me dire « Oh, ça va, il t'a juste dit, je vais te prouter dessus. » Parce que je vais vous punir à vous aussi, je vais vous bloquer. Non, mais en plus, il me le dit d'une manière, il me fait « Tu vas voir, toi, tu vas voir, toi, je vais te prouter dessus. » Ou alors, je vais te cracher dessus. Voilà, c'est ses phrases préférées. Ah là là, les enfants, l'éducation, c'est pas facile, hein, punaise. Je me dis, mais mes parents, moi, j'ai eu ma phase.
Si, bien entendu, j'ai eu ma phase, ma crise d'ado, j'étais adolescente et ma mère qui était seule avec trois enfants, trois, c'est une reine, c'est vraiment, c'est une reine. Parce que peu importe, mère au foyer, ma mère était mère au foyer, elle travaillait pas. C'est mon père qui travaillait en déplacement et qui revenait que le week-end. Mais trois enfants comme ça, en bas âge, tous les jours, toute l'année, à te répondre, à te... Ah, c'est terrible, c'est terrible. Vraiment, les parents... Moi, heureusement que j'ai mon mari pour me soulager. Et puis là, tout à l'heure, ben, je l'ai regardé, je suis chérie. Du coup, on se relaie et tout. Mais les parents célibataires et tout, pour une éducation, c'est difficile, c'est dur. Il n'y a pas de mode d'emploi. En plus, on ne vous le donne pas avec. Genre, vous avez votre bébé, vous rentrez chez vous, c'est démerdez-vous. C'est chacun fait comme il peut. Et des fois, c'est difficile. Plus difficile pour certains que pour d'autres. Et franchement, vraiment, vous avez tout mon respect, les parents célibataire, parce que moi je suis contente de pouvoir me reposer de l'éducation sur mon mari ou lui sur moi parfois, et heureusement qu'on se soutient et qu'on est, voilà, qu'on est soudés, parce que ben, sinon il gagnerait les enfants, mais là clairement on doit serrer la vis avec Mylon qui nous répond à chaque fois, qui dit tu vas voir toi, enfin, ou alors qui teste. Et voilà, mais on se serre les coudes. Bref, c'était ma petite parenthèse du jour. C'est pas facile d'avoir des enfants, les gars. Croyez pas que c'est tout beau, tout rose. Et c'est vrai que moi, je vous montre pas. On dirait que mes enfants, ils sont géniaux. Pas du tout, mon Dieu, pas du tout. Ils sont comme les vôtres. C'est comme chez vous. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Je vous rassure, c'est tous les enfants pareils. Des fois, il y a des terrible tout, des terrible, je sais pas quoi. Des terrible fort, je sais pas. Alors là, il m'a fait un terrible tout. Et là, on arrive à un terrible fort. Il allait bien, hein, punaise. Passé un moment là, entre après son terrible tout jusqu'à 4 ans, nickel. Genre. Là, je sais pas, je crois que c'est la grande école qui l'a fait péter dans le ciboulon. Mais vraiment, genre, je rigole pas. Le passage à la grande école l'a fait complètement changer. Il s'est affirmé dans son caractère, dans tout. Bref, c'est pas grave. Écoutez, on va y arriver. Hein. Tous les parents, ils sont arrivés. Mes parents, ils sont arrivés. Mais vraiment, hein, j'avais envie de pleurer. D'ailleurs, je vais pas vous cacher, j'étais là. Comment il me parle, lui? Chérie, un petit mot sur le caractère de Mylon qui était censé te ressembler. Il se passe quoi, du coup? Qui était censé me ressembler? Le caractère de Mylon est censé te ressembler? Elle me ressemble complètement. Ah, là, ça te ressemble, ça? Complètement. Ah, ça, c'est toi? Quelqu'un qui répond et qui écoute pas, qu'en fait qu'à lui-même. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ah, ah oui, j'ai répondais toujours à mes parents. J'étais une espèce de c***, moi. Ah, mais dis-moi tout. Donc, tout ça, c'est ta faute? Ah, ça, c'est moi? Non, mais c'est la vérité. C'est le top. Oui. Mon préféré de 7, c'est celui-ci, parce que celui-ci, il a la crème de jour et la crème de nuit. Bon, après, j'aime bien les autres aussi, hein, bien entendu. Tous les 7, j'aime, parce que j'aime tous les produits. Mais celui-ci, c'est quand même mon préféré, voilà. Bon, et celui-ci aussi, mon préféré, pour les personnes qui me demandent, parce qu'il est trop beau. Sinon, après, vous avez le choix, l'unité, bien sûr. C'est normal, la position, pour vous montrer une jambe hydratée avec la crème et une jambe non hydratée. Regardez la différence, vous voyez ? Incroyable. Alors, Pompon, je sais pas si t'es une fille ou un garçon, je sais pas ce que tu es, sûrement une rageuse. Je te rassure, je punis ma fille. Je punis mon fils et ma fille. Il n'y a pas de préférence. Ils sortent du même endroit. Voilà, par le même trou. Je les aime autant. J'ai eu autant de galères pour l'un et pour l'autre. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, avec tes réactions stupides, tu peux les garder pour toi. Et tu sais quoi, je te bloque. Comme ça, princesse de Dubaï, tu la verras plus. Et voilà, il est sorti de la punition. On lui a expliqué. Il n'avait pas bougé, il était là. Si, il attendait. On lui a expliqué qu'il fallait pas. C'est trop mignon. Après, quand il est là, pardon maman, je recommencerai plus. Putain, c'est terrible quoi d'en arriver là.
Bon, croyez-vous-le ou non? C'est français, croyez-vous, croyez-vous, Croyez-le. croyez-le? Quoi? Croyez-le ou non? Croyez-vous-le? Croyez-le ou non? Croyez-le ou non? Ah bon, t'es sûr? Croyez-le? Non, parce qu'il y a vous, c'est eux. Bon, bref, du coup, d'accord. Croyez-le ou non, ça fait plusieurs jours qu'on a la bougie comme ça, avec le cadeau dans le showroom. Mais en fait, je ne veux pas la brûler parce qu'on n'en avait qu'une et que je voulais qu'elle reste exposée dans le bureau. Ça y est, j'en ai reçu une seconde. Du coup, je peux enfin allumer ma bougie bien au chi. Trop contente. Je l'avais déjà sentie, hein. C'est pas comme si c'était une nouveauté pour moi. Je la connais, mais c'est la première fois que je la brûle. Ben voilà, complètement finie avec le packaging, avec le cadeau, avec tout ensemble. Regardez-moi cette merveille et profitez parce que vous avez moins 40%. Oh là là, ce moment de gâté, c'est le meilleur moment. Hein, pourquoi on n'a pas que des moments comme ça? T'aimerais qu'on ait que des moments de gâté, mon amour? Qu'on se fasse que des gâtés? Qu'il y ait que de l'amour? T'aimerais qu'il y ait zéro colère? Bien, oui. Oh, regardez, tout le monde se fait des gâtés. C'est pas la vraie vie, c'est ça le vrai moment. C'est le bonheur, ça. Lily, qu'est-ce que tu commandes là sur l'ordinateur? Oui, qu'est-ce que tu commandes? Qu'est-ce que tu es en train de commander là? Ouais, qu'est-ce que tu commandes un petit lapin bien au chien? Non. Ah, montre-lui son lapin, elle l'a jamais vu sur l'écran. Montre-lui son lapin sur l'écran. Je lui regarde, Lily. Attends. Bah, Lily, ça va? L'ordi bug. Ah oui, l'ordinateur. Je ne vais pas leur investir dans un ordinateur à un moment donné, chérie, il non? Commence à avoir 4-5 ans. Hein. Ça va, Lily, tranquille, ça envoie du Perrier comme ça. C'est vraiment leur boisson. Bon, on leur laisse boire l'eau pétillante parce que c'est la seule boisson kiff qu'on leur laisse. Parce qu'il n'y a pas de coca. Mylon, il connaît. T'as jamais bu du coca de ta vie, toi? Tu connais pas ce que c'est? Jamais. C'est bien l'eau pétillante. Lily, regarde l'écran. Papa, il va te montrer quelque chose. J'arrive pas à l'écouter de l'ordi, il est mort. Voilà, le premier bébé. Qu'est-ce que tu commandes, Lily? Qu'est-ce que tu commandes, Lily? C'est qui ça? Doudou. Doudou. Qu'est-ce que tu commandes? C'est qui ça, Lily? C'est Doudou? C'est qui? Doudou. Tu veux le commander? On le commande? Ouais, on en a plein déjà. Et toi? Regarde. Commande. Tu veux voir le Doudou? Oh, le Doudou. C'est là? Je suis la meilleure maman? Oui. La meilleure de toutes, toutes, toutes? Oui. Mais est-ce que tu as déjà eu d'autres mamans? C'est ça la vraie question? Non. Alors, est-ce que tu crois que je suis la meilleure? Oui. Ah bon, ça va alors. T'es en train de rigoler de quoi là? Non. Comment ça de ça? C'est une blague ou pas? C'est rigolo ça. Comment ça c'est rigolo ça? C'est rigolo. Chérie, t'as vu ton fils? Il rigole de mon boulet? Il rigole de mon boulet. Il se prend fou. Il s'est pris à fourrir de mon ah. Il est beau, il est canon, hein. Mais il est beau. Mais il est rigolo. Je l'adore, moi aussi. Mais il est comme ça. Ah, je le comme ça. Non, mais le cul, c'était rigolo. Comme ça. Mais rigolo, ça, c'est comme un slime. Va voir le slime de papa. Ma papa, il va te montrer son gros slime aussi. Maman. Il est un peu parti le slime de papa. Papa, t'as mis où le slime? Parce que papa il est congestionné quand même pas. Et voilà. Et elle aussi, elle voulait un gâté. Par contre, il est jamais là le bon vieux. Gozio! Gozi! Gozi! Il est où Gozi? Il est où Gozi? Gozi! Il est où Gozi? Oh, il est là, Gozi! Il est où Gozi? Gozi! Gozi! Ah, ben regardez ce que j'ai reçu, mon colis Cat Lion, trop contente. Ma soupe d'asperges! Je vais m'en faire une rapide ce soir, parce que comme mon mari ne veut pas manger, parce qu'il a mangé. T'as mangé quoi là-bas? Des donuts?
un sandwich de hot dog. Il s'est vraiment mis bien. Moi, je vais manger ça ce soir. Et j'ai pas de code promo. Hein. C'est juste que je vais manger ça. Voilà. On va où? Où on va? Ah oui, tu te regardes avant. Eh oui. On va où, Lily? Où c'est qu'on va? Tu le sais, toi, où on va? Regarde devant toi, va. On va où? On va où? Mange ça ici. On va faire dos. Eh oui! Léouane, il y a un mur. Oh putain. Je suis maman. Ton doudou. Tiens. C'est bon, t'as les deux doudous? Regardez ces petites chaussettes. Trop chou. C'est maman qui les a ramenées et papa du Japon. Elles sont belles, les petites Kitty. Allez, regardez-moi comme elles se fracassent partout, partout, partout. Oh là 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 là. Et en plus, elle s'est fait sauter le petit ongle du pied. La dernière fois, elle rentre de l'école et je vois ses petits pieds. Je dis, mais Liwen, il était tout soulevé et tout. C'était soulevé le petit ongle. Allez, on se fait une belle histoire de Choupi. Choupi, la galette des rois. C'est quand la galette des rois d'ailleurs? Je me rappelle. Comme je te bouffe, toi, mais mon Dieu. Bisous, 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 t'amour, t'amour. Moi, je te bouffe. Que je peux te bouffer? Au revoir. Ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? T'as pas le droit, c'est le chewing-gum. Chewing-gum, mamie. Elle s'en va. Not allowed. Not allowed. Not allowed. Not allowed. Pas du tout. Bisous, maman. Tu vas au dodo, mon amour? Tu vas au dodo, ma souris? Comment ça, non? Tu veux faire dodo là? Dans ton lit de princesse? Voilà, Liwen, le soir, se jette en arrière pour pas aller au dodo. Tout le temps. Voilà. Elle me dit non. Allez, on va au dodo. Bonne nuit, ma souris. Quoi? Ici la tête. Ici la tête? Où ça la tête? Dis-moi. Ici. Ah non, non, maman, elle va au dodo. Maman, je m'en vais, moi. Je vais faire dodo, mon cœur. Bonne nuit, petite souris. Bonne nuit, petite souris. À demain. Regarde, open the mouth. Open the mouth? Waouh. Waouh. À maman? Not allowed. Not allowed. The chewing gum. Bye bye. Good night. Good night. I love you. Mama sleep. What? Mommy sleep, yes. Franchement, j'adore ma peau en ce moment. Elle est bien lumineuse et tout. J'adore. J'aime bien ma peau. Des fois, elle est mieux que des fois, elle est mieux que d'autres fois. Il suffit que tu sortes, que tu sois fatiguée, que tu aies... Enfin, voilà, t'as compris. T'as une mauvaise hygiène de vie et hop, elle est pas bien. Et des fois, elle va être bien. C'est trop bien. Là, je suis en train de faire ma ventouse. Tadam. Je vous montre de plus près. Regardez comme ça. Hop. Attendez, mais j'ai raté. Hop. Et hop, hop, ça absorbe et hop, hop, j'adore. Et ça en fait, regardez mon huile, il m'en reste quasiment plus. J'arrive dans le fond. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais je fais tous les soirs, donc c'est vrai que ça part vite quand même. C'est la Black Week chez Cellule Blue, donc c'est une très grosse semaine et du coup je me dois de vous donner mon code promo qui fait partie de mes plus gros codes promo de l'année, qui est juste énorme. Déjà sur le site, vous avez moins de 80%. Jusqu'à mon 80%, c'est énorme, c'est des très grosses promos. Et en plus de ça, avec mon code promo JessicaBW, vous allez avoir un pack offert tous les 30€ d'achat. Et dès 80€ d'achat, vous allez avoir un appareil offert. Donc voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Moi, je vous montre ici.
ici, dans mon placard, on a tous mes produits Cellule Blue. Donc, tout ce que je mets le matin, le soir, mes gels cryo, la cellulite. Là, je vous disais, j'avais encore une huile ici. Bon, celle-là aussi, elle est entamée. J'en ai partout des entamées puisque, comme vous savez, je suis très assidue. C'est une marque que j'adore. On a des résultats au bout d'une semaine. Si on fait, il y a des résultats. Si on ne fait pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de secret, mais en tout cas, si vous voulez acheter des produits ou faire un stock, c'est maintenant ou jamais parce que c'est les plus grosses codes promo, enfin les plus grosses soldes de l'année, quoi. Et en plus de ça, tous les matins à 10h, jusqu'au 10h le lendemain, vous allez avoir une offre spéciale sur le site. Donc, allez tous les jours sur le site. Vous verrez, ça va changer. Donc là, celle que je vais vous montrer, c'est seulement jusqu'à 10h demain, donc dépêchez-vous. La Black Week sur Cellule Blue, c'est juste ici. Les deals de la semaine jusqu'à demain 10h, profitez. Vous avez également d'autres packs, je vous laisse regarder. Moi, je mets par exemple celui-ci qui est d'une valeur de 94€. Et vous allez voir que comme j'ai dépassé les 90€ d'achat, nous allons avoir en cadeau une balance connectée, un pack drainage lymphatique, un pack peau douce et un guide minceur programme 7 jours. Regardez tout ce qu'il y a offert. Donc franchement, ça vaut le coup. En plus des promos sur le... Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Je vous dis à demain. On va continuer en beurre... j'arrive pas à l'appeler. En beurre, je sais pas quoi, avec Johnny Depp. Je sais pas son nom de famille. J'arrive pas à le dire. Et je vous dis à demain. Demain, c'est le week-end. On n'a pas prévu grand-chose. On va peut-être aller au petit marché là où on est allé la dernière fois, ou alors on va peut-être aller dans une playing area, ou alors on va peut-être aller à la mer. On va peut-être faire quelque chose de tout ça, mais on a eu beaucoup d'idées aujourd'hui, donc on verra ça demain. En tout cas, on vous emmènera avec nous, bien sûr, on vous partagera. Et je vous dis bonne soirée et merci de m'avoir rassurée sur me dire que chez vous aussi, les enfants, c'est pareil, que ça teste partout et tout. C'est rassurant de dire que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Non, je rigole, mais merci. Le moral. Bonne nuit.